ça a relancé la course après 50 km et ça a attaqué dans tous les sens, donc ça a été très dur à contrôler ensuite. Et finalement 6 hommes partent, mais c'était 6 hommes assez bons devant, donc finalement on a dû quand même encore une fois rouler derrière, mais sous un autre rythme. Et on a eu l'aide de Ineos et de Française des Jeux, donc ça nous a aidé aussi. Et ensuite, je pense que voilà, on espère aussi que la journée demain sera un peu plus facile à contrôler. Parce que quelle soit l'équipe, contrôler une course comme aujourd'hui, si c'est pendant 5 jours, ça devient très dur. Mais je pense que voilà, des journées comme ça, ça n'arrive pas énormément dans l'année. Mais bon, après, j'avais vraiment une équipe très solide aujourd'hui. Ils m'ont vraiment impressionné, ils ont donné vraiment le meilleur d'eux-mêmes jusqu'au bout. Et j'en suis très reconnaissant parce que, ok, hier j'ai gagné un peu à la pédale, mais aujourd'hui, sans mon équipe, je ne garde pas le maillot.